Bonjour à tous, reprenons ce let's play Baldur's Gate Trilogy avec Kaya, la guerrière illusionniste. Le groupe est donc au niveau de la zone de la passe du Petit Croc et a eu quelques petits soucis avec des dragons. J'ai ressuscité un certain nombre de personnages, il me reste Yann à ressusciter. Je pense que pour lui, pas le choix, on va être obligé d'utiliser une charge de sceptre de résurrection qui est je ne sais pas où. Je l'ai pas ce sceptre. Si. Hop. Allez, Oui. hop. Et voilà mon petit gnome. Oui, je suis pas Qu'est-ce que Bon, c'est? je vais ramasser les affaires de Edwin et de Yann qui sont par là. Ici, vraisemblablement. Edwin ici, Yann là. Et puis, je vais aussi faire en sorte que mes personnages se régénèrent. Je fais sort caméra et je reviens tout de suite. Et voilà. Bon, alors, vite fait. On va faire passer un niveau à R. Sort de niveau supplémentaire 3 et 4, une caractéristique, ça c'est quoi? Finesse, Ah, ambidextre amélioré, ça c'est bien pour lui, qui a deux armes, parfait, donc un sort de niveau 3, ça j'ai plus besoin, un sort de niveau 4, tiens, peau de pierre, niveau 3, une dissipation, c'est pas mal. J'alcalès, la confiance et l'apanage. Dépêche-toi, il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Je vais mettre tout le monde sous invisibilité. Very, very. Dormir, parce qu'il est à 1h du matin. Qu'est-ce que c'est? On sait jamais, hein. On va peut-être être attaqué. Eh ben non. Parlez. Ce moineau est prêt à s'envoler. Dès que tu en donneras l'ordre, bien sûr. Oui. Allez, tout le monde. Oui, je suis pas sourd. On met les pots de pierre de défense. Oui, ce sera fait. Et puis on va filer à la zone suivante. On n'a plus rien à faire ici. Il va y avoir une sortie par là. Oui. Allez, direction la forêt du Nord, 8h je pense. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est? On va remettre une série défensive. Oui, mon corbeau. Quoi encore? Yann Janssen, pour vous servir. Tiens, Vicky. Oui, Abby. Tu vas commencer à nous faire des serviteurs. Parce qu'il y a du monde ici, il me semble. Désolé, j'ai lavé. Cache-toi raison, moi. Je vais pas te cacher, Ustanzadost. Allez, Yann. Toujours prêt à rendre service, mon grand.
Bah rends-moi service et cache-toi. Oui, c'est une tactique bien connue. Vampire, ancien vampire, mais... À 17h ? Bizarre. Hein. En pleine journée ? Je suis prête. Résistance à la peur. Parlez. Image miroir. Le destin nous appelle. Image miroir. Toi aussi. Oh, pas grand chose. J'aurais juré en... Oh, ça, je peux le faire. Char guide mon bras. Ouais, ben Char guide ton bras peut-être, mais il pourrait aussi guider tes sorts. Hop, sur Kaya. Ordre chaotique, avec les vampires, on sait jamais. Sur Corgan. Je suis aussi prêt que les jeunes filles en fleurs. Ça ne peut me voir à présent. Allez, sur R. Allez, on va prendre les combattants et les serviteurs. Certainement. Et on va massacrer tout ça. Jusqu'à la fin, nous nous battrons. Bon, y en a un autre. C'est quoi là? Ah oh, bah d'accord. Eh. Quoi? Compris. Encore, personne ne peut me voir à présent. Personne peut te voir, explore. Ok. Oh, ici il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Bah allez me buter ça. Allez me buter lui. J'ai l'impression que oui, voit, alors ce sera fait habilement et soigneusement. Si ce n'est promptement. Oui. Savoure tes derniers instants de vie. Ah, il y a encore une brume à vie. Le sang et la gloire et ta mort. Et pas de quartier. Oui. Tiens. Ah. On l'a perdu. Sans aucun doute. Ouais. Yann Jensen, sur l'heure, votre grandeur. Quoi ça? Oh! Ah, un groupe de méchants. Clairement, c'est des méchants de haut niveau. Edwin. Je suis occupé. Ouais, bah t'es occupé, viens quand même. Fais-moi une image projetée. Ne peut me voir. Oui. Présent. Bon, très bien. Viens ici. Je prends jamais ses esprits. Qu'est-ce que c'est? Ah si, lui reprend ses esprits, c'est l'autre qui reprend pas. Sans attendre. Il s'est barré, je sais pas où. On fait donc une bonne tactique. Parlez. Allez, on ce sera fait. Oh. Maintenant butez-moi. Personne ne peut me voir à présent. Hop. Quoi encore? Ben quoi? Fais preuve de talent, mon grand. Avec un arrêt de sang. Oui. Wow. Bouclier de sort. Immunité contre la divination. Ce moineau est prêt à s'envoler. Dès que tu en donneras l'ordre, bien sûr. Eh ben, j'en donne l'ordre. Balance une... délivrance de la magie. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Tu
top. Oh, assez. Bah, assez. Arrête, hein. Allez, balance-moi des trucs qui suivent. Ça devrait les calmer. Vita Mortis Carré. Deux flétrissures, moi je dis que ça va les calmer. Vita Mortis Carré. Un nouvel arrêt du temps. Désolé, je le ferai pour un navet. Parlez. Écoutez-moi ça. Que nos exploits soient comptés à travers les âges. Je suis occupé. Là, il y a un magicien. Est-ce que je peux balancer une délivrance? Je sais pas quoi. Tiens, une épée. Incactus Pulcher Imperium. Il y a un projo sur lui. Il y a par là. Oui, je vois. Oui. Certainement. Dites-moi ça. Oh, ça se... Oh là là. Il est protégé contre plein de trucs. Je peux lui faire un ruby ray ou un mot secret déjà. Il y a une protection contre les armes. Qu'est-ce que c'est? Oui, mon corbeau. Sauver de l'oubli. Armée, sans aucun doute. Tu perds rien pour attendre. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Ma hache est prête. J'en ai saigné pour moins que ça. T'es en train de souffrir, toi. Il y a un âne. Oui, maître. Que puis-je faire maintenant? Ben, mon secret. C'est pénible ça. Rayon rubis. Le destin nous appelle. Rayon rubis. Précis Alien. Je suis aussi prêt que ce sera fait. Quel vilain? Hein? Tu peux le buter avec ça? Ouais, voilà ce que je m'entends. Oui. Et toi, tu peux le tuer avec quelques flèches, genre comme ça? Ça va, ça va, une arme qui s'en fait peur. Présent. Sans attendre, n'est-ce pas? Oui. C'est un poil pénible, hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux le dissiper? J'ai pas de dissipation. Toujours prêt à rendre service, mon grand.
Est-ce que toi tu peux le dissiper? Quoi encore? S'il le faut vraiment. Je suis l'éclateur de crâne. Protégez-moi. Ah. Personne ne peut me voir à présent. Parlez, certainement. Bon, est-ce qu'il y a encore des bestioles par là? Oui. Reprends ton épée. 15 000 quand même, le mage. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Ça devait être un mage de haut niveau. Vraiment de haut niveau. Là, y'a rien. Non, là, y'a rien. Ah, j'ai perdu mon fouet de win. Bon, bah, je vais ramasser tout ça. Est-ce que... ici, je crois qu'il y a quelque chose. J'aurais juré entendre Gautien. Et ça me rappelle une histoire. Il y a bien longtemps... C'est peut-être bien piégé. Non. Est-ce que c'est fermé à clé? Ouais. Oh, il y a du... il y a des choses à ramasser. Bon, je vais couper la caméra. Parlez. Je vais ramasser donc ce qu'il y a dans ce coffre. Et puis tout ce qu'il y a par terre. Je reviens tout de suite. Et voilà. Allez, en route. Sans aucun doute. On n'a plus rien à faire ici. J'ai trouvé quelques sorts intéressants, notamment un arrêt du temps. Alors, je vais peut-être aller... ici, combien de temps de trajet? 32 heures, c'est pas grave, j'y vais. Je voudrais faire forger l'armure pour Viconia avant de retourner à Tkatla. L'or a été placé dans mon château, super. Ce sera fait. Alors, normalement... voilà, il est toujours là, lui, hein. Faël. Vous ne trouverez pas meilleur marché à âme. Voilà. Je vous le garantis. Voici le sang et l'armure. Reviens dans 4 jours. C'est chiant. Oh, mes paupières se font lourdes. Quel n'avons-nous point le temps de dormir et de rêver, ne serait-ce que quelques instants? J'exige que nous nous arrêtions. Maintenant. L'heure du thé au navet est depuis longtemps passée. Bah, je vais attendre ici. Un peu de repos hein. Ne peut pas nous faire je de vais mal. Attendre 4 jours à l'auberge. Je vais faire ça hors caméra parce que je vais pas me balader. Je vais peut-être vendre aussi. Qu'est-ce que c'est? J'ouvre les portes, mec. Je vais vendre des trucs à eux, là, des gemmes, etc. Je fais ça hors caméra, je reviens tout de suite. Oui. Je reviens pour le jour 215. À tout de suite. Ok, allez. Ce sera fait. Certainement. Est-ce que je suis en avance ou est-ce qu'il faut encore attendre une heure? Jetez un coup d'œil sur mes marchandises. Merci. Je gage que vous les trouverez à votre convenance. Ah bon? What the f... Alors... qu'est-ce que tu veux, moucheron? Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon ami. Mon ami, tu vas lancer... ça. Sur toi-même. Oh, désolé, les navets. Toi, tu vas balancer ça. Les autres vous écartez. Ton verbe et ma volonté. Oui, 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 je vois. J'en ai saigné pour moins que ça. On fait confiance à un bonhomme et... toujours prêt à rendre service, mon grand.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Invisibilité majeure. Quoi encore? On a des prochaines rues, là. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Hein? Ouais, voilà. Ce que destin n'attend pas. Parfois. J'aurais juré en péril de vous dire ce qui ne s'applique pas, mais une petite égratignure. Parlez. J'attends vos instructions. Sans attendre, n'est-ce pas? Bonne tactique. Quoi? Il y a un griffon dans les parages. Il n'y a aucun griffon. Hein. Manteau amélioré. Brèche-moi ça, là, non? Oui. Mais il s'est barré. Pour la mort ça. Et la gloire immortelle. Oh, assez. Embêtant cette histoire. Bon, est-ce que j'ai des sorts de brèche? Ah, j'en ai plus de 10, hein. De rien. On fait ça. J'attends les ordres. Je ferai comme tu dis. Pour l'instant. Au moins ça a le cœur. Je suis occupé. Yan Yansen, pour vous servir. Ouais, ouais, Yan Yansen, toi aussi de me faire ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord. Ouais. Prends ton épée non magique. Et plus tard, je couvre le ventre. Mon arme est plus efficace. Oui. Non, ça c'est inefficace. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'autre? Il a fait encore un manteau lui aussi. Oh là là. Dépêche-toi. Bah, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Non, désolé, les navets. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Oh, ça suffit. Ah, sur toi-même. Mon arme est inefficace. Toujours prêt à rendre service, mon grand. Ouais, rends-moi service. Compris. La victoire nous appartient, tu le sais. Mon arme est inefficace. Mon arme est inefficace. Mon arme est inefficace. Reste sur Kaya. J'adore. Oui, maître. Que puis-je faire maintenant? Un jour. Mon arme est inefficace. Parlez. Ok. Certainement. Allez me dire ça. Oui. S'occuper de me brécher. Arrière. Vous meurs. Oh là là. Yo. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Ce moineau, ce sera fait. J'aurais juré entendre Golodon. Détruisez les plaques. Oui, mon corbeau. Voilà un beau mandamus. Lâchez-moi ça.
Quoi encore? Détruisez l'épée, encore. Quoi? Il y a un griffon dans les parages. Ok. Oui. Sans aucun doute. Bon bah Fael s'est enfui. Il est un peu dégoûté. Il nous a forgé une épée, puis après... Qu'est-ce que ce sera fait? Ah, à moins qu'on l'ait tué. On l'a tué, Fael? 7000, ça c'était un mage. 6000, ça c'était quoi? Un mage. Un autre mage. Est-ce qu'on a tué Fael avant? Je sais pas. Je sais pas si on l'a eu. Ah oui, si, mort. Bon, je ramasse encore une nouvelle fois les affaires. Je sors caméra, je reviens. Et voilà. Alors, cette fameuse armure là qu'on a créée, chair humaine plus 5, donne quand même une résistance à la magie de 20%. Alors c'est pas une super CA, mais... Et jet de sauvegarde bonus de plus 2. Pour Vicky, c'est quand même vraiment intéressant. Ok, elle perd de la CA, par contre elle va se retrouver avec un mouse résistance à la magie. 105, donc je peux récupérer 5, peut-être ça. Résistance à la magie, 5%, ça c'est combien? Résistance à la magie, 10%. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, c'est bien ça, déjà, c'est à moins 7. Là c'est quoi? Résistance à la magie, 10%. Je ferais bien ça comme ça. On se retrouve avec, voilà, Viconia, c'est à moins 6, c'est pas mal, c'est largement suffisant pour elle, elle est jamais exposée, 100% de résistance à la magie. Elle, c'est à moins 5 de base. Résistance à la magie, 40%. Ça paraît bien. 40% de base, ça me paraît bien. Ben voilà. Parlez. Certainement. Allez, en route pour mon château. Il est où? Hop, forteresse d'Armise. J'ai des sous à récupérer.